Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus. Bienvenue les potos et les potais pour le début de Remnant 2 sur Series X. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un jeu d'action-aventure teinté de RPG, édité par Gearbox Publishing, développé par Gunfire Games. Il est sorti le 25 juillet 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, pour un prix de... J'ai pas regardé, je suis désolé. Vous irez voir ça de votre côté. Allez, on y va, on lance l'aventure, on arrive directement au niveau de la sélection du personnage. Hein. On va pouvoir créer notre avatar, et ça c'est bien. Nous, on va prendre une fille, couleur de peau. Alors attends, tac, on a les voix. Ça pourrait me servir. Ouais. Ça pourrait me servir. Ouais. La poisse. Ouais. Ça pourrait me servir. Ouais. La poisse. Ouais. Oh, ça pourrait me servir. Ouais. Pas mal. Oh. Pas mal du tout. Mais ouais, mais c'est pas mal. On va rester sur ça. Maintenant, la tête. D'accord. Oula. Ouais, ouais, ouais. Dakodak, bibili bibou. Ah là là, je suis partant pour prendre la tête numéro 1. Maintenant, la couleur de peau, blanc. Couleur des yeux, noir. Oh, la musique, elle est sympa en arrière-plan. Là, la coiffure, on a quoi? Ouais, non. Je sais pas du tout. Hey! Oh, je pense qu'on va partir sur ça. Couleur des cheveux noirs. Oh, ouais, non mais on part sur ça. Cicatrice. Là on a quoi? Ouais, j'ai pas envie d'avoir trop de cicatrices sur la tronche. Ou à la limite, ouais, vraiment une toute petite. Ce qui fait qu'on va partir sur ça. Maintenant, les traces, ouais, cicatrices. Là, on a que dalle. Une petite cicatrice, j'ai dit. On peut pas avoir une cicatrice à la Harry Potter? Genre une petite cicatrice sur le front, non? Ah ouais, là, là, c'est quoi? C'est une petite brûlure, ça? Ouais. Petite griffure. Bah je sais pas moi, je vais partir sur ça. Personnage hardcore, c'est quoi ça? Oula, mode hardcore. Le mode hardcore est réservé aux joueurs expérimentés dans ce mode. Voulez-vous créer un personnage hardcore? Non. Non. On va rester comme ça. Allez, c'est parti. Et là, on a 4 modes de difficulté. Survivant, vétéran, cauchemar et apocalypse. Sauf que là pour l'instant apocalypse hein, c'est pas pour nous. Moi je pense qu'on va partir sur vétéran. Une expérience éprouvante avec des ennemis plus forts et résistants. Un bon choix pour les joueurs qui aiment les défis. Ouais ouais, on va pas trop se mettre des bâtons dans les roues dès le départ. On part sur ça. Oui. Elle a dit, si j'avais voulu me lamenter sur mon sort, je serais restée avec ton père. Waouh, c'est sacrément haut. Je vais t'aider à descendre. C'est bon, je gère. Ça fait 3 fois. 3? Ah, allez, ça va.
trois fois que je te sauve la vie. La crevasse, ton pied... Quoi? Tu serais plus là si maman m'avait pas appris à faire un pansement? Très bien. Alors deux fois. La crevasse, et maintenant. Hey, laisse-moi regarder. Laisse. C'est rien. Hé, hey, t'inquiète. Allez, remonte ta manche et admets que tu es mon ami. J'admets rien du tout. Voyons ça. Ça fait qu'empirer. Écoute, il n'y a pas de fracture ni de sang. Ça va passer. Comme toujours. Allons-y. Le gosse a dit que le service était par là. C'est trop bien, c'est en français, cool! Il sera possible de rejoindre cette session après avoir terminé le tuto. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer du début à la fin en coop. Et on peut y jouer à 3 en même temps. Ça, c'est vraiment bien. On va regarder vite fait les paramètres, parce que ça, ça n'a pas été fait. On va aller dans système, options. Donc là, on est en mode équilibré. On a quoi? Attends. On a qualité... performance et équilibré. Alors, qualité 30, équilibré 60, performance IP illimitée. Non, on va prendre du équilibré. Ensuite, l'audio. Ah, mais c'est ça que... Attends, comment je fais là? 80. Les voix n'y touchent pas. Musique 80. Effet sonore 80. Sous-titres, oui. On ne peut pas les augmenter. Ça, c'est un peu ballot. On regarde un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Je pense que c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Commande. La carte, d'accord, visée. On verra ça au fur et à mesure. On est bien en français. C'est good. Oh, ça fait plaisir. Ah là 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 là. C'est beau, déjà, c'est beau. Je sais pas si vous avez déjà joué au premier Remnant. Mais franchement, il était trop bien. Et d'après ce que j'ai pu voir sur différents sites et sur certaines vidéos sur YouTube... Ce vieux conte de fées. C'est encore mieux. Comme cette histoire de service, fondée par un vieux blanc avec de la nourriture et de l'eau fraîche, et où tout le monde s'entend bien. Ça sonne vraiment comme un conte. C'est sans doute juste deux vieillards enfermés dans un souterrain. J'espère seulement qu'ils ont quelques marchandises à échanger. Sinon, on va plus pouvoir tenir très longtemps. Je sais plus si j'avais fait une vidéo ou des vidéos sur le premier opus, mais sachez que moi, je l'ai vraiment poncé. De mon côté, hein. Aucune idée. Je sais pas ce qu'il y a dans ce Fulton's Original Blend, mais j'ai jamais vu personne d'aussi heureux. Pas dans la vraie vie, en tout cas. Allez, viens. Quoi? Hop, hop, hop. Pas le temps, faut y aller. Et d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, le premier opus, il est sorti en 2019, il y a 4 ans. Qu'est-ce que tu fais? Verrouillé, super. Tu veux que j'essaye? On peut pas faire demi-tour maintenant. On n'a nulle part où aller. Il doit y avoir un autre passage. Ouais. Bah tiens, c'est bon, j'ai trouvé. Hé, hey, œil de lynx, essaie de voir si tu passes par le trou là-haut. Là, clairement, hein. Moi, je me rappelle un peu de ce que ça donnait visuellement parlant au niveau du premier opus. Hein. C'est bien plus joli. Hein. C'est bien plus net. C'est beaucoup plus détaillé. C'est vachement appréciable. Alors, attends. Comment tu veux que je fasse? Yes! Voilà, doucement, ma fille. Mais attends, un petit peu! C'est pas trop tôt. Tu faisais quoi? Ouais, les textures sont vraiment chouettes. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Faut pas gâcher. Ah, c'est X, d'accord. Soigner ta cheville. Qu'est-ce qui est arrivé à ces pauvres types? C'est pas moi. Ils sont morts de faim, ils ont été tués. Ils sont morts de maladie.
Par contre, moi, quoi faire maintenant? Faut pas gâcher. Sers-t'en pour soigner ta cheville. Mais... Moi, ça me sera d'aucune aide. Tu veux que je fasse quoi? Ah, mais voilà! Alors, LBX. Hey, allez, éloignons-nous le plus possible. C'est toi, Marcus 7, qui crie comme ça? Tu veux un coup de main? Par ici. Ah ah ah! J'arrive. Y'a quelqu'un? Ouh! Sprinter, c'est la gâchette. Ok. Attends, est-ce que je peux aller par là? Oui. Sauf qu'il y a que dalle. C'est quoi les roulades? Ah, c'est A. Oui! Wouh! Waouh! Ouais! Oula! Mate-moi ça! Oh, ça sent pas bon. C'est la galère sur son lit de brocoli. Son lit de quoi? Rien. Un truc que ma mère disait. Mais c'est le cordyceps! On est dans The Last of Us! Ouh! Tu suis, copine? Ils arrivent. Oh oh! Ouh, ça a l'air sympa, ça! Eh, ça compte pas, en fait. Ouh. C'est fini. Ouais. Attends-moi, je regarde s'il n'y a pas des trucs à récupérer par terre. Mais de ce que je vois, il y a que dalle. Donc pas merci le jeu. Ouais, non, pas merci. Hé, hey, par ici. C'est bon, c'est bon. Mais allez. C'est bien, mes filles. Poupili papa, on se promène. Oula. Je suis pas rassuré. On peut pas avoir une loupiote? Et on n'y voit rien. Je commence à penser que chercher ce service était peut-être pas une bonne idée. Merde. Son état s'aggrave. Vas-y, descends. Comme ça. Allez, hop hop hop, move your body. Faut croire que le bois mort a pas complètement disparu après tout. Non. Y a pas moyen que ce service existe. Pas avec un nid comme ça ici. Tu sais, ce serait peut-être mieux de faire demi-tour. On retourne sur nos pas. On peut trouver une autre issue. Quoi? C'est pas le moment. Mais pas ça. Aïe. Punaise. Maintenant, c'est la troisième.
Oh merde. Écoute. Tu sais quoi? T'étais mon ami. T'étais mon ami. Ça va aller. C'est fini. Oula, oula, temps mort. On est des alliés. On est là pour vous aider. Je vais pas tenir longtemps, Beau. Merci. Vous... qui êtes-vous? Plus tard, les questions. Il faut qu'on bouge. À trois. Un. Deux. Trois. J'en peux plus. Tu vas devoir te débrouiller seul. Hé, hey, au moins on est ensemble. Ouais. Vous deux, suivez-nous. D'autres vont sûrement débarquer. Thank you. Sans vous, c'était foutu, hein. D'ailleurs, j'ai eu peur pour ma fille, hein, quand je l'ai vue se faire transpercer de part en part. J'ai fait « What ? Pas déjà ?» Me dis-moi pas qu'on va faire notre perso par la suite. La grouille de bois. Mais non. Par ici. Ça doit être ce que j'ai ressenti dans le service. Attendez. Oula. Vous êtes du service ? Putain. Et vous allez me dire que le Père Noël existe aussi ? Ouais, c'est pas loin d'ici. Mais le passage s'est effondré derrière nous. On va devoir trouver une autre issue. Qui c'est qui est pas loin? C'est le Père Noël? C'est bon là? Hop hop hop! Ouah, mais pourquoi moi? Il était temps que ça se... J'aime pas ça. Oh, il est vraiment sympa, graphiquement parlant. Oh la vache. Ils sont combien là? Allez, dépêchez-vous! Pam 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 pam. Un coup de main? Oh.
quelque chose. Le bois mort sait qu'il a perdu. Et il se battra jusqu'au bout. Mais voilà. Merde, on peut pas avoir des grenades. Punaise. Allez, cours, 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 ma petite. Ah, damnette. Oh, c'est fini. Non, pas encore. Et allez. On y est presque. Oui. Ah, je peux taper comme ça au corps à corps, nice. Eh, ça va? Pas mal visé, nomade. Ouais, j'ai un peu d'entraînement. J'imagine. Mais ne vous en faites pas, vous serez en sécurité au service. Vraiment. Alors? C'est vraiment vrai? De la bouffe? De l'eau? Et des gens qui vivent avec un vieux blanc? Plus ou moins. Oula, attends, je vais te donner de l'eau. Ça va, ça... Casse. Ah, on dirait de la putréfaction. Mais c'est la pire que j'ai jamais vue. Ça va. Je vois pas pourquoi... Il faut l'emmener au service, et vite. La doc est sa dernière chance. On ferait mieux d'y aller. La nuit va bientôt tomber. Je me rappelle pas que le premier opus, il était en français au niveau du doublage. Je crois pas. Ça alors? Lui, c'est Rigler. Appelez-moi Rix. Je te tiens, ma grande. Surtout, ne vous en faites pas. On va prendre bien soin d'elle. Bienvenue au service 13. Hé, hey, t'en fais pas. Rix a raison. Elle s'en remettra. Hé, hey, ça va pas? C'est qu'une migraine. Hé, hé, Clémentine. Attends, je vais te donner de l'eau. Ça va. Non. Non, ça va pas. T'as besoin de repos. Beau. C'est le maire du service. C'est pour ça qu'il se croit responsable de tout et de tout le monde. Écoute, je vais aller voir Ford, et puis je vais me reposer. D'accord? J'ai vécu bien pire, tu sais. Bon, nomade. ton ami va s'en tirer. Je suis Beau, Beau Ward. Et ça, c'est le service 13. Vous devez venir de loin, vous deux. La racine faiblit et tout, mais... prendre la route reste dangereux. Qu'est-ce que vous faisiez dans le coin, d'ailleurs? Ah ouais, c'est vrai.
Eh bien, vous serez en sécurité ici, tant que vous en aurez besoin. Je ne doutais pas que quiconque savait ce qu'on faisait ici. C'est plutôt agréable, pour tout te dire. Eh, si t'as besoin de quoi que ce soit, suffit de demander. Oh, et commence par rendre visite à Ford. Je suis sûr qu'il voudra te rencontrer. Ok, on fait comme ça. Vous avez un point de trait à dépenser. Donc pour ce faire, faut que j'aille au niveau du perso. Ah non, trait là. Vitalité, endurance, esprit, expertise. Moi, je vais commencer par la vitalité. Est-ce que... Non, c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est tout. Personnage. Yes. Ici, nous avons quoi? Donc, je n'ai que ceci. Là, on a jambière de survivant. Gants de survivant. Au niveau des armes à feu, je n'ai que ça. Dakodak. Là, au niveau de l'inventaire, on a ramassé quoi? Ganglion de la racine. Puis c'est tout. D'accord. Tu t'es déjà demandé si tout ça, c'était qu'un rêve? Qu'est-ce que tu veux dire? Que rien de tout cela, rien de ce qui nous est arrivé, de ce qui est arrivé au monde, n'est vrai. Oh, je sais pas. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux. Ah, je suis sûr, il a vu Matrix hier soir à la télé, Donald, et du coup, il est en train de se questionner. De sortir d'ici, de prendre la mer. Jamais tu ne me verras sur un bateau. Tu me rappelles vraiment Brad parfois. Oh. Si vous cherchez Ford, le fondateur, je le vends en général à l'entrepôt. D'accord. Il y a plein de gens sympas ici. Prenez le temps de faire leur connaissance. Tout à fait. Tu t'es déjà demandé si tout ça... Vous cherchez Ford, hein? D'habitude, il est à l'entrepôt. J'y vais. L'entrepôt. L'entrepôt. Ici, c'est quoi? C'est l'infirmerie, non? Direct oui. Vous cherchez Ford? Il est là-bas dans l'entrepôt. Je suis sûr qu'il prépare encore quelque chose. Salut. Tu viens d'arriver, pas vrai? Nora Camarillo. C'est moi qui sauve la vie des gens par ici. T'as eu de la chance qu'il vous trouve au bon moment. Ta copine était dans un sale état. Je l'ai reçue juste à temps. Comment on va, Cass? Elle est super. C'est une vraie force de la nature, celle-là. Je la laisserais pas tomber si j'étais toi. Est-ce que je peux la voir? Pas encore. Elle dort. Et j'aimerais autant que ça dure encore un moment. Elle est coriace, d'accord, c'est sûr. Mais pour l'instant, elle a besoin de repos. Je te préviendrai dès qu'elle sera sur pied. Pas de soucis. Vas-y. Oh, non mais y a trop de trucs à lire. Y a trop de blabla. Depuis combien de temps? Ouais, c'est ça. Je suis arrivée il y a peut-être 10 ans. Ah oui. Maman venait de mourir et papy ne se sentait pas de me trimballer partout tout seul. Ça s'est bien goupillé. La ville est pleine de matos et papy a gagné sa vie en vendant des bandages et des médicaments tout en soignant les gens gratos. Je fais pareil. Il était même au chevet de la vieille commandante quand elle est morte. Il a pas plus grand-chose pour elle, si ce n'est soulager ses souffrances. Mais les gens d'ici l'ont remercié et nous ont fait membres du service et tout. Vous avez l'air plutôt jeune pour un docteur. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Trésor? Je sais pas... Il y a vraiment pas de quoi. Est-ce que tu sais ce qui fait un bon docteur? Le talent, l'entraînement, en faisant des erreurs. Enfin, si tu fais des erreurs, tu peux provoquer des morts, donc je vais dire l'entraînement. Exactement. Et c'est pareil pour devenir bon dans tous les domaines. Tu apprends en faisant et en refaisant encore et encore. Et pour moi, c'est avec les gens qui ont besoin de moi. Plus il y a de gens qui souffrent, et plus je m'améliore en les soignant. Et tu sais quoi, Trésor? Je suis le meilleur docteur à des kilomètres à la ronde. Je m'appelle pas Trésor, je m'appelle Marcusette. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la médecine? Avec mon grand-père. Il a soigné les gens toute sa vie, depuis presque aussi longtemps que l'apparition de la racine. J'ai commencé à assister papy quand j'avais 5 ans. Panser les plaies, préparer les médicaments, faire des incisions, la totale. Ça avait l'air d'être un grand homme. Oh, c'était un grand homme, assurément. Durant sa longue vie, il a aidé un nombre incalculable de gens. Mais là où j'ai le plus aidé,
c'est en fouillant les anciens hôpitaux. Même un siècle plus tard, il y a encore tout plein de trucs à trouver. Et qui ont une utilité pour quelqu'un d'aussi intelligent que Papy. Et qu'avez-vous trouvé dans les anciens hôpitaux ? Des tonnes de matos. Les anciens humains en connaissaient un rayon sur le corps humain, tu sais. Des choses que même Papy ne savait pas. Tu savais qu'ils étaient capables de remplacer les poumons de quelqu'un par ceux de quelqu'un d'autre ? Ou qu'ils pouvaient prendre le foie d'un mort pour le donner à un vivant si le sien marche plus ? Quand je pense à tous les gens qu'on aurait pu sauver avec Papy, si on avait eu ce genre de savoir-faire. Vous ne pouviez pas utiliser ce que vous aviez trouvé ? Ah, il y avait plein de trucs utilisables. Tellement que Papy a fini par arrêter de râler au sujet de mes séances de récup. La plupart des médicaments de base ont disparu depuis longtemps, mais il reste encore plein d'outils et d'ingrédients spécialisés. Des trucs que personne d'autre que moi et mon grand-père savent utiliser. Ce qu'il n'y a pas, que je n'ai pas trouvé une seule fois, c'est un remède contre la putréfaction. C'est pour ça qu'autant de gens sont morts quand la racine est arrivée. Papy a dû inventer son propre traitement. Et vous avez dit que votre grand-père avait inventé le remède contre la putréfaction ? Un traitement, pas un remède. Ah ! Il n'était sans doute pas le seul. Je suis sûre que d'autres ont trouvé les mêmes solutions de leur côté. Mais quand Papy a compris, il a voyagé tant qu'il a pu pour l'enseigner à tous ceux qu'il rencontrait. Je sais pas où il a commencé, mais j'estime que tous les traitements à 200 km à la ronde sont directement dérivés de son travail. C'est grâce à lui si ta copine est encore en vie. Il te fallait autre chose, Trésor ? Je m'appelle Marcus 7. Non, mais c'est bon. Tu l'as si t'as besoin de te faire rafistoler. Y'a pas de souci. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de procédurales. Et l'histoire du jeu dépendra de ce qu'on va faire. Donc c'est pour ça que je vais vraiment jouer à ma sauce. Ce qui me permettra d'avoir vraiment une aventure bien à moi. Vous cherchez Ford ? Il est en haut de l'entrepôt là-bas. Bah j'y vais parce que j'ai assez blablaté avec les gens. Ce n'est pas négociable, Clément. Ah ! Point final. Je me rappelle pas t'avoir demandé ton avis. Ouh là là ! Je n'aime pas beaucoup ce ton, jeune fille. Pardon ? J'ai 132 ans. Et au cas où tu l'aurais oublié, je ne suis pas ta fille. Tu n'as aucune autorité sur moi. J'ai l'autorité là-dessus. Cette ville a besoin de toi. Tu ne peux pas partir à la poursuite de quelque chose qui n'existe peut-être même pas. Elle est pas mal, celle-là. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, ces 100 dernières années, hein ? Qu'est-ce que tu fiches, là, en ce moment ? Mais attendez, c'est pas des humains ? C'est différent. J'essaie de réparer les choses. Des choses que tu as cassées en essayant de jouer les dieux. C'était Arsgard, je suivais simplement les ordres. Je n'ai pas... Ah, alors c'est acceptable. Tu sais combien de gens sont morts parce que tu suivais simplement les ordres ? Bien sûr que je le sais. Tu crois qu'il se passe... Moi, je vais revenir plus tard, non ? J'y pense. J'essaie de me rattraper, figure-toi. Moi aussi. T'es vraiment un sale hypocrite, Ford. Si je pars, c'est de ma faute. Mais toi ? Toi, tu n'as pas détruit le monde. Toi, tu n'as pas poursuivi une chimère. Toi, tu n'as pas abandonné ta famille une bonne douzaine de fois. Écoute, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je te le concède. Mais c'est justement à cause de ces erreurs que je te dis de ne pas faire la même chose. Eh bien, pardonne-moi de ne pas suivre les conseils de celui-là même qui a foutu le monde en l'air. Je ne fais plus partie de tes rêveurs. Peut-être que j'ai ma propre mission. Ces gens ont besoin de toi, Clémentine. Tu es trop importante pour juste... Tout le monde ici est parfaitement capable de se débrouiller seul. Ça n'a rien à voir avec eux. Mais avec toi, t'as passé ta vie à fuir tes problèmes. Et tu refuses de me laisser affronter quoi que ce soit en face ? Mais de quoi t'as peur, bordel ? De te perdre ! De les perdre ! De tout perdre ! Moi, j'ai déjà tout perdu ! Vous m'avez tout pris. Toi, Neville, Arsgard, tout ce putain de projet. C'est pas chez moi, ici. Ça n'a jamais été. Et j'en ai marre de faire semblant. Écoute, tu as eu une grosse journée. Tu es fatigué. Va te reposer, d'accord ? Ça ira mieux demain. Je te rappelle à quel point je t'admirais, à quel point tu semblais assez fort pour sauver le monde, sauf que c'est moi qui t'ai sauvé. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ? Je...
Je ne peux pas te laisser t'approcher de cet endroit, Clémentine. C'est un ordre. T'as vraiment rien compris, Ford. Laisse-moi tranquille. Pfiou ! Il y a de la tension dans l'air. Mais ouais, là, elle a 132 ans. Et moi, je lui donne une bonne vingtaine d'années, quoi. Ce qui veut dire que la fille, si tout va bien, elle peut arriver genre à 300, 400 ans. C'est ouf. Bonjour, Ford. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Ah, nomade, bien sûr. Wallace avait dit, oui. Juste à temps. Navré que vous ayez dû assister à ça, mais bon. Vous savez sans doute ce que c'est, des histoires de famille. Andrew Ford. Heureux de faire votre connaissance. Ford ? En chair et en os. Ouais, ça. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Et j'aimerais vous demander une faveur. Alors, mettons-nous en route. Passez devant. Mais vous avez quel âge ? Dites-moi votre âge! Je m'en fous du reste! Si c'est vous le Ford qui a construit cet endroit, comment est-ce possible que vous soyez toujours en vie? C'est une longue histoire et je n'ai pas assez de temps pour la raconter maintenant. Ah genre! Poursuivons. Vous voyez comment certaines boissons peuvent vous rendre ivre et certains aliments vous rendre malade ou vous endormir. Eh bien, d'autres choses vous font ça si vous les consommez. Le monde est vaste. Ah donc, si tu consommes le bon produit, tu peux vivre comme ça, genre des centaines d'années, quoi. C'est ouf. Oui, je sais pas. Ça fait déjà deux fois que je dis ouf, faut que je me calme. Qu'est-ce que je peux en avoir? Vous n'aurez jamais la même chose que moi. Et à votre place, je me méfierai. Pourquoi? Mais est-ce que vous m'attendiez? De quel genre de faveur parle-t-on? J'aimerais en savoir plus sur les gens qui vivent ici. Pas vous précisément, avec tel nom et tel numéro de matricule. Mais je savais que quelqu'un venait. Ouais, mais comment? Notre jeune Wallace me l'a dit. Mais c'est qui Wallace? Wallace. C'est un garçon spécial. Ah. Très semblable à quelqu'un que je connaissais. Elle faisait aussi de mauvais rêves. Des rêves de choses qui ne se sont pas encore produites. Mais genre, il voit dans l'avenir? Disons plutôt qu'il peut voir très loin dans le présent. Parfois. Très loin dans le présent? Bah c'est dans le futur alors. Donc, vous jouez avec les mots, Ford. Attention. Sinon, de quel genre de faveur parle-t-on? Oh, rien de très dangereux. Ah, je cool. Je dois rassembler mes forces. Puis nous nous y mettrons pour de bon. Bah je veux de l'action. Hein. Donc ouais, ça. Il y a pas mal de sacrés personnages par ici, je vous le concède. Ouah, il y a trop de trucs. Pourquoi vous vous disputiez avec Clémentine? Un désaccord n'est pas une dispute. Clem et moi, nous nous connaissons depuis plus longtemps que n'importe qui ici. Ça fait beaucoup d'eau qui a coulé sous un petit pont. Tu vois, moi, j'avais dit une bonne vingtaine d'années, mais apparemment, elle aurait 19 ans. Les apparences peuvent être trompeuses. En réalité, elle a 132 ans. Oui, ça, je sais. Mais je veux votre produit. Je veux votre produit. Comment je peux ne pas vieillir? C'est quoi le truc à boire? C'est quoi le truc à manger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas vraiment. Clémentine a passé beaucoup de temps loin d'ici. Elle a eu des fréquentations étranges. Le genre de choses qui vous changent. Par rapport à qui? Beau est peut-être jeune, mais il sait comment tourne le service. Il a appris auprès des meilleurs. C'était un orphelin, encore gamin. Le service 13 l'a adopté, en quelque sorte. Quand il a eu l'âge, il s'est occupé de la sécurité. Et il a fait un sacré boulot. C'était logique de lui confier les rênes quand on a commencé ici. Est-ce que Riggs est vraiment aussi sympa qu'il en a l'air? Je pense que personne en ville n'a autant perdu que Riggs. Je me demande comment il fait pour sortir du lit tous les jours. Mais il le fait.
et on en est sacrément reconnaissant. Ah, vous voulez des infos, hein? Ben oui, hein, pour ceux qui connaîtraient pas trop le lore du jeu. Un peu comme moi, en fait, hein, parce que moi, le premier Remnant, hein, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Bon. Enfin, que j'y ai pas touché. Vous avez joué vos cartes à mon tour. J'ai besoin de quelqu'un de jeune et apte à barouder pour donner un coup de main à un pauvre vieil homme. Parlez à Wally. Vous le trouverez près des docks. Après cela, équipez-vous. Et retrouvez-moi à la porte du service. J'aurai une histoire à vous raconter. Ah, mais j'aime bien les histoires de Père Castor. De Père Ford. Tiens, ici on a quoi? Non. Donc là, faut qu'on aille voir Wally. Wally, Wally, oula. Coucou. Je veux pas en parler maintenant. D'accord. Bon bah j'y vais. Wally. Wally. Oh j'adore ce nom. Wally. Mais attends, faut que je passe par où? Wally, 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 t'es derrière moi. Reford. C'est par là? C'est toi? Il y en a qui ont un sacré culot de débouler comme ça dans notre ville. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Tu as? T'inquiète pas, je te charrie. Je m'appelle Bramus et je suis en charge de la sécurité ici. Et vu que t'as l'approbation personnelle du maire, alors je dirais que t'es son problème, pas le mien. Je m'assure aussi que les gens d'ici soient capables de se protéger. Y a pas que la racine qui rôde dans les parages. Des tas de gens sont pas encore tout à fait à l'aise avec cette idée de rebâtir la société. J'en sais quelque chose. Vous pensez que les humains s'en prendraient aux autres humains? Après tout ce que la racine a fait? Et pas qu'un peu. Y en a un paquet qui ont qu'une idée en tête, c'est protéger leur miche. Ils ont jamais connu autre chose. Et j'étais comme eux. Jusqu'à il y a environ 20 ans, j'étais le chef de meute des chiens boueux. On prenait ce qu'on voulait et on butait tous ceux qui se mettaient en travers de notre chemin. Oh ! C'était la loi du plus fort à l'époque. On faisait ce qu'il y avait à faire pour survivre. Les choses sont peut-être. Mais en fait, t'es comme Joël dans The Last of Us, quoi. Et un tas de gens ont du mal à oublier les vieux réflexes. Peut-être qu'ils y arriveront jamais. Enchanté, Brabus. Garde des munitions dans ton chargeur et la tête sur les épaules. Ah bah c'est oui. Bah au moins la tête. Donc là, ouais, c'est bien tout droit. Bah, non, ça marche pas. On y va tout de suite? Vous avez peur de vous perdre? Allez simplement au dock. Vous reconnaîtrez Wally quand vous le verrez. Mais c'est où les docks? Les docks, les docks, les docks. Moi, je sais pas où c'est les docks. Pou 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 pou. On va aller du côté de la mer, hein. Tiens, attends. Attends ici là. C'est toi, Wally? Salutations. Pardonnez-moi, j'ai du mal à reconnaître les visages Pax Lutec. Qui êtes-vous? Oh, cela est nouveau. Je pensais l'avoir vu auparavant, mais il est tellement difficile de distinguer les Pax Lutec sans cornes et sans sabots. Je m'appelle Sa-Israk Sadwell. Mon nom Pax Lutec est Dwell. Je vends des cristaux de mon monde. Ils rendent les Pax Lutec plus rapides, plus forts et plus puissants. Ils les aident à vaincre les ennemis. Et en plus, ils sont très abordables. J'ai tellement de questions. Bien sûr, Pax Lutec. Qui êtes-vous? Oui, la question est toujours la même. C'est normal. Je suis un pan du monde de Yaisha, où règne l'impératrice éternelle, où la biche et leurs ravageurs sont en liberté, et où l'équilibre insuffle la vie à la jungle. Ou tout du moins, c'était le cas. C'est tellement bien quand c'est doublé en français. Hélas, ça ne l'est plus. Pendant si longtemps, les immortels ont oppressé les pans, usant de leur pouvoir comme s'il s'agissait de quelque chose qu'ils avaient mérité.
Les pans se sont rebellés contre leur tyrannie, et pendant un moment, la victoire semblait accessible. Et puis, la pestilence est arrivée. Ce que le Pax Ultec appelle la racine. La dernière fois que je l'ai vue, Yaesha dépérissait sous la pestilence. Le ravageur rôde, et la biche est perdue. La rébellion subsiste, mais mon peuple se languit d'un apaisement. Vous savez que Duel, ce n'est pas un vrai nom, hein? Ce n'est peut-être pas un nom Pax Ultec, mais c'est mon nom, tant que je vis parmi les langues Pax Ultec. Ok. Bon, allez. Ah oui. Bye bye. Que cela soit prudent dans son périple, Pax Ultec. Puisque moi, je dois aller voir Wally, hein. Et le Wally, bordel de shit. Où c'est qu'il est? Ah, Wallace! J'espère qu'on va avoir un dialogue de 2 secondes. Parce que là, pour l'instant, c'est bla 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 bla. Après, moi, ça me dérange pas trop, hein. C'est plutôt pour vous que je dis ça. Est-ce que ça vous gêne? Yo! Je vous vois. Ouais, ça va, je vous vois aussi. C'est vous que Ford attendait. Par contre, il ne se rappelle plus qu'il attendait. Il pense qu'il a besoin d'aide. C'est elle qui en a besoin. Tout à fait, oui. Est-ce que vos amis... voilà, est-ce que vous... Est-ce que vous parlez de mon ami Cass? Vous savez et vous ne savez pas. Pardon, je devrais me taire. Oui. Les choses deviennent compliquées quand j'en parle. À mort. Je m'appelle Wallace. Je vous l'avais déjà dit? Probablement. La vision, vous savez... Pardon, j'ai sans doute déjà parlé de ça aussi. C'est bizarre. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Je ne sais pas vraiment ce qui se passe ici, moi. Vous avez une route à parcourir. Vous choisissez votre premier pas ici, mais votre chemin peut encore changer si vous le souhaitez. Ah! Donc, archétype médecin soit soutien équilibré... On a maître chien. Excellent. Animal de compagnie, travail d'équipe, utilitaire. Oh, il me plaît bien, lui. Waouh, le challenger. Courte portée, robustesse, dur à cuire. Ouais, non. Chasseur. Longue portée, marquage, dégâts de précision. Ouais, non, pas le chasseur. On va prendre avec le toutou. Maître chien. Ouais, ça prend tout son sens. Ça a l'air d'être la bonne route. Ah, le toutou, il est à gauche, regardez. Vous avez raison, bien sûr. Votre route vous attend. Dites à Brabus et Ava que c'est moi qui vous envoie. Ils ont ce qu'il vous faut. Ils sont la prochaine étape de votre aventure. Au revoir. D'accord. Donc là, on a des nouvelles tenues, c'est cool. Bah alors, tu viens, mon toutou? Oh, c'est excellent ça, je pensais pas qu'on allait avoir un toutou avec nous. Enfin, on l'a pas si on prend pas la classe. Et franchement, ouais, c'était ça ou être infirmier. Alors attends, je vais faire ça. Voilà, tac tac tac, je vais faire boum. Là maintenant, je vais aller ici. Bah, j'avais pas récupéré une casquette. Ah mais c'est bon, la tenue elle est changée, non? Ouais, ça s'est mis automatiquement. Okidoki. Au niveau des armes. Non, je n'ai que ça. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, je vais t'appeler... Je sais pas comment je vais t'appeler. Faut que je réfléchisse encore un peu. Donc là, c'est quoi qu'on doit faire? Faut que j'aille voir Brabus. Mais c'est qui l'autre, Cass? Brabus, il est là, on est d'accord? J'arrive, Brabus. Est-ce que Cass, ce serait pas l'infirmière? Ah, Ava. Attends, mais c'est qui? Il faut que j'aille la voir. Yo.
Yo ! Sur la tête de ma mère, je jure que... C'est Beau qui vous envoie ou vous débarquez ici par vous-même ? C'est Wally qui m'envoie, il a dit que vous pouviez m'aider dans mon périple. Merde. Vous rigoliez pas en fait. D'accord, alors, c'est quoi ce périple ? À vrai dire, j'en sais rien du tout ! Je le jure, si ce gosse avait pas raison à chaque fois, j'irais lui dire deux mots. Percutant les mots. D'accord. La seule raison pour laquelle on ose me déranger, c'est parce que je suis un as du marteau. Donc, soit je modifie vos armes, soit on trouve un moyen plus créatif de les utiliser. Je vais vous dire. J'ai entendu que vous aviez récupéré quelque chose de pas ordinaire pendant votre petite balade de tout à l'heure. Je pourrais peut-être en faire quelque chose. Ouais, ce serait bien. Fabrication, les PNJ situés au service 13 et ailleurs dans le monde permettent de fabriquer des objets modificateurs d'armes, armes de boss, armures. Chaque recette de fabrication nécessite une certaine quantité de matériaux ainsi que des pièces de récupération. Là, on a le choix entre tir curatif. Ouais, là on a tir assommant, tir de ferraille et feu à volonté. Tir curatif. Yes. Bah ma foi c'est good là. Bah ouais. Voilà, ça devrait vous aider dans le périple qu'il a vu pour vous. Dites juste à Wally d'être plus spécifique la prochaine fois, d'accord? C'est bon, on a fini hein? Ou il faut que je ressorte le marteau? Non mais vous pouviez pas attendre deux minutes? Je vais vous faire gagner du temps et épargner de la salive. C'est comme ça qu'on vivait, nous, dans le bâtiment là-bas. Et puis un étranger s'est pointé, on l'appelle le voyageur maintenant, vous avez sans doute remarqué que tout le monde a un surnom ici. Bref, il se pointe et il arrête la racine. Et maintenant, on vit dans ces bâtiments ici. C'est plus clair comme ça? Et moi? Je tourne pas autour du pot. Comme ça, on a moins de soucis. D'accord. Écoutez, c'est pas contre vous, mais j'aime juste pas être dérangée. Je suis dans mon monde, vous voyez? Ça m'emmerde quand les gens se pointent et interrompent mon moment à moi. Mais je vais vous dire un truc. Vous ressemblez pas aux clodos qui viennent me faire chier d'habitude. Alors je vais vous proposer un marché. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant dehors, vous me l'apportez, et moi j'essaie de voir si je peux m'en servir pour améliorer vos armes. Ça marche? Ok. Oh. Et si vous dites à qui que ce soit que j'ai été sympa avec vous, je vous plante. Ah, la bonne ambiance. J'aime bien les personnages. C'est intéressant à écouter. Ils ont chacun leur caractère et le doublage, je le trouve vraiment bien fait. Donc là, par ici... Ouais, c'est good. Est-ce que là, je peux retourner voir la copine? De retour, trésor? Qu'est-ce qui t'amène? Non, en fait, j'ai pas d'autres questions. À la prochaine. Ouais. Zou. Zou, 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 zoubida. Zou, 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 zoubida. Na 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 ta 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 ti ti tu 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 tu. Re. Alors, ça se passe bien au service? Ça pourrait mal se passer aussi, ça tient qu'à toi. Wallace m'a dit de venir vous voir. Il a dit que vous étiez l'étape suivante de mon périple. Le gamin qui parle à la racine. Je confierai pas mon 4 heures à Wally, mais je suis suffisamment malin pour pas l'énerver. J'imagine qu'il a pas été plus précis que ça. Bon, je sais pas, quelque chose au sujet de ma route. Bon, le gosse est givré, mais il est pas idiot. Et je vois que ton équipement est... léger, pour être poli. S'il demande, dis-lui que je t'ai donné ça. Gratos. Oh, ah cool. Oh. Plus lâcher la grappe si je t'envoie pas le voir ensuite, hein. Très bien. Va voir Riggs alors. Dis-lui qu'il peut faire tout ce qui lui chante. Mais ça, c'est pas parce que j'ai la version ultime que j'ai tout ça. Attends, Riggs, c'est la nana? Ah non, c'est... d'accord, ok. Wesh. Salut, camarade. Content de voir que vous allez bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est Régler, c'est ça? C'est ça, mais tout le monde m'appelle Riggs. J'assure la sécurité des gens ici. Je suis spécialiste de l'amélioration des armes et armures.
À ce propos, Beau a dit que vous auriez peut-être besoin d'aide pour reprendre du poil de la bête. S'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Nous nous entraînons tous ici. Même Ava. Brabus m'a dit de venir vous voir. Qu'est-ce qu'il en est ? J'imagine qu'il n'en a pas dit plus sur le pourquoi. Il a dit que vous n'alliez pas le lâcher s'il ne le faisait pas. Ouais, ça ne m'étonne pas de Brabus. D'accord, j'ai des compétences assez spécialisées, vous voyez. Je pense savoir ce qu'il veut dire. Revenez me voir si jamais vous avez besoin d'améliorer votre équipement. D'accord. Certaines personnes peuvent améliorer vos objets à l'aide de matériaux trouvés lors de votre exploration du monde ou en éliminant les ennemis. Les améliorations sont essentielles pour faire face aux ennemis toujours plus redoutables du jeu. Là, on a quoi ? On a l'amélioration du pistolet, l'amélioration de l'arme, l'amélioration des griffes rouillées, fusil à levier rouillé. Non mais je pense que je vais améliorer ceci. On va passer de 17 de dégâts à 18,7. Bonne route. C'est bon là ? Je peux me tailler ? J'espère que oui, hein. Là, on a passé facile une demi-heure à écouter les gens. Encore une fois, c'était absolument pas inintéressant. Mais je sais qu'il y a peut-être des gens là, vous qui me regardez, peut-être que vous êtes en mode putain, mais quand est-ce qu'on va partir en mission ? Vous avez l'air prêt à tout affronter. Qu'en dites-vous ? Vous voulez bien m'accompagner là-dessous ? Oui. Alors ne perdons pas plus de temps. Par ici. Ouais, enfin ! L'odeur de la maison. Tenez, prenez ça. Faites tourner la poignée pour l'allumer. Cool. C'était un centre de recherche, à la pointe de la technologie. Nous y faisions des choses que personne n'aurait pu imaginer, ni avant, ni depuis. Pourtant, malgré tout notre personnel... Attendez ! Nous n'avons pas su ce qu'étaient vraiment les pierres avant qu'il ne soit trop tard. Les pierres ? Ah non, mais c'est bon. Les pierres mondes. Attendez-moi ! Des cristaux rouges géants permettant de voir d'autres mondes, et même de s'y rendre. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Cacher les pierres et espérer que les Soviets n'en trouvent pas de leur côté ? Ah, non. Il fallait qu'on découvre tous les secrets qu'elles renfermaient. C'était une question de sécurité intérieure et d'orgueil. Alors oui, nous avons ouvert la porte et nous sommes entrés. Mais quelque chose attendait de l'autre côté. Ça ne s'est pas passé tout de suite. Pour tout vous dire, les habitants des mondes vers lesquels on voyageait ne pouvaient pas nous suivre. On pensait être en sécurité. Mais oui, la racine a trouvé un passage. Après ça, eh bien, on sait tous ce qui s'est passé en verrouillé. Ah, mais c'est chez moi, ici. Venez. J'avais donné à Hélène des choses à garder précieusement en cas d'urgence. Elle a dû les cacher. Je sais même ce qu'il était en train de raconter un truc, jusqu'à ce qu'il se coupe lorsqu'il est arrivé à la porte. Et attendez-moi, l'ancêtre. Allez, Ellie. Où est-ce que tu as caché ça ? Il est déjà là-haut, lui. Fais quoi, maintenant ? Faut que je fasse quoi ? Là, c'est fermé. Ouais. Bah écoute, mon petit gars là, je vois pas ce qu'il faut faire, hein. Faut que je pète la vitre, non ? Non. Non mais...
Bah ça a été dit ou quoi? Ah attendez. Oula. Bingo. Pochette rouge, d'allumettes. On appelle ça un cœur draconique. Ne me demandez pas pourquoi. Gardez-le sur vous, vous en aurez peut-être besoin. Et peut-être qu'il avait dit ce qu'il fallait faire, hein, et où trouver, mais comme j'ai pas écouté. Ou à moitié. Allez, en route. Mais attendez là. Voilà, dépêchons. Hé, jetez un œil à la pochette d'allumettes que vous avez trouvée. J'ai une intuition. Oh, incroyable. On n'a pas toute la journée. Est-ce qu'il est pressé? Est-ce que c'est... La pierre monte. Oui. Ou du moins une partie. Chaque éclat fonctionne comme le tout. On l'a éteinte après la mort d'Arsgard. Comme je le disais toujours à Hélène, ce maudit truc est plus dangereux qu'utile. Ah, évidemment. Ah... Peu importe. Bien. Voyons si ça a marché. Une minute, je ne comprends pas. De quoi on parle au juste? Ce cristal la première fois. Est-il jamais revenu? Partez. Dites à Beau de condamner cet endroit. Pas juste le verrouiller, mais prendre des explosifs et l'ensevelir totalement sous le béton. Plus dangereux qu'utile, rappelez-vous. Ne l'oubliez pas. Ford? Ford? Oh, c'est pas vrai. Ça va pas plaire à Beau, ça. Oh. Le salaud, il a réussi. Il a fini par le réveiller. Clémentine? Eh, il t'a dit comment l'utiliser? Je suis pas sûre de vouloir. L'erreur système est lente. Le cœur a été compromis. L'outil est retenu. Initialisation de la question. L'appel de l'aventure! On ne peut rien contre. Il est désormais possible de rejoindre cette session. Voilà, on a terminé le tuto. Mon petit toutou. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Je ne peux rien faire parce qu'il faut quelque chose et bah j'ai pas ce quelque chose. Bah, je pense qu'on va aller tout droit. Clémentine ? Oh la vache ! Jamais là quand on a besoin d'eux. J'y crois pas. D'abord le cristal, puis Ford. Oh. Je ferais mieux de me dépêcher.
si je veux retrouver Clémentine. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est que oui, en plus d'être un jeu action-aventure avec un peu de RPG, il y a aussi une touche de Souls-like. Et voilà, vous verrez bien. Oula. Ouais, là, il faut mettre très certainement un morceau de visage, espèce de masque ou je ne sais quoi. Ici. J'ai l'impression qu'il manque un morceau. Ouais, il manque deux morceaux. Mais où c'est que je vais les trouver? Attends. Non, là, je ne peux rien faire. Si je vais de ce côté-ci... Ouais, non. Que dalle, que dalle, que dalle, mon général. Si je vais tout droit... C'est ouvert. Ah, c'est joli, hein, franchement. Ouais, non, mais... C'est vraiment hyper chouette, visuellement parlant, d'un point de vue technique, mais également au niveau de la DA. J'aime pas quand on descend comme ça. Je préfère monter. Ah, une bonne mitraillette. Y'a pas mieux. Merde. Vas-y mon toutou. Ah, ça c'est cool. Comme ça tu vas les aggro. Et moi je vais pouvoir être un peu plus tranquille au niveau de mon shoot. Ah ouais. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi joli. Utilisez le point de passage. Se reposer au point de passage restaure les munitions et les reliques, mais fait réapparaître tous les ennemis de base du monde. En multijoueur, le repos ressuscite également les alliés tombés. Au combat, tous les joueurs doivent utiliser un point de passage pour pouvoir se reposer. Non ! On va pas faire demi-tour. Si je vais tout droit. Mince. Ah, c'est fermé. On va continuer la progression. J'espère que tu es prêt, mon toutou. Alors, le talent principal. Ah, punaise. Mais déjà ! Ah, merci, oh, merci mon toutou. Ok, c'est parti. Mon toutou! Oh non, j'ai péri! Mais fort heureusement, regardez, on est mort juste à côté. Ah non, mais ils sont nombreux, les cons, là! Oh, faut calmer, hein! Il y en a des balles. On recharge. Non, c'est X. Donc ça, je sais. Ah oui, là. Quel enfer. J'avoue. Ah, mais j'aime bien, là, cette façon que les personnages ont de parler, de réagir par rapport à ce qui se passe. Et encore une fois, je vais me répéter, je radote, mais j'adore que ce soit en français. Oh, ah, ça aurait pu être mieux fait.
Si je vais tout droit. Non mais il en faut des choses. Y'a pas un moyen de scanner la pièce? Ah. Non, c'est fermé. Essayons tout droit. Fais attention mon toutou. On n'est pas seul. D'ailleurs, attends. Les capacités, c'est quoi? Ami, non. Boubili babap. C'est pas ici? Bah si, c'est là. C'est dans le système. Option. Commande. Alors, roue des emotes. Caméra interagir. Esquive, saut, objet, s'accroupir, changer d'arme. Ouais, d'accord. Au boulot. Quoi, oh, punaise. Ah non mais on l'a eu. Eh merci mon toutou. Mais en fait le toutou il va servir d'infirmier. C'est excellent ça. Donc là en fait on a la vie en bas à gauche. La vie en bas à gauche, on a les armes à feu en bas à droite, on a la compétence RB, faudra que j'essaye après. C'est peut-être durant l'action. LBRB pour faire l'attaque, la grosse attaque. Attends, je vais te caresser pour te remercier. C'est bien mon toto. Là tu vois, malédiction. C'est peut-être parce que j'ai encaissé trop de coups, non? Ça, ah, un morceau de la fresque de Failin. Ah ouais, regardez la malédiction. Ça me bouffe un peu de vie. J'ai deux carrés de vie en moins au niveau de la jauge en bas de l'écran. Puis ça se voit, hein, il y a une espèce d'émanation sur mon perso là. Oh, c'est grand. Bah, le jeu a gagné en envergure, hein. Oula. Ok, c'est pas le moment. On recharge. Ouh, c'était chaud. Ah ça va, il n'était que deux. On va faire le tour. Toi tu vas te réveiller, je le fuis. Ouais. Hop. Toi mon gars. Oui non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Oh. Pièce de récupération, pièce de 1, coup critique, source 2, j'ai pas eu le temps de lire. Là, sur cette table. Attends, mais lire. Ah ouais, non, mais faut pas déconner. Non, mais comme si j'allais lire tout ça, moi. Ça peut m'arriver de faire un peu de lecture, mais vous avez vu le pavé? Non, 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 non. Vous ferez pause de votre côté si vous êtes d'humeur à lire, mais moi non. Je suis désolé, hein, il y a des gens, hein, il y a des développeurs, il y a, ouais, bref, qui ont taffé là pour apporter un peu de lore, mais là il y a trop de lore. C'est parti. Ouais. On récupère tout plein de matériaux. Ici, forcément, c'est Keblo. C'est étrange. Pourtant, on voit qu'on peut aller en face.
tout à fait. On verra ça après. Par ici. Et c'est parti. Il est trop bien le flingue. Quel enfer. Tout à fait. Ouais, mais là... qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a pas un moyen de descendre? Qu'est-ce que t'as, mon toutou? Ah, à gauche, là. Ouais. C'est bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Que dalle. Non mais c'est quand tu veux pour la malédiction, hein. Ah super! Ça a retiré la malédiction. Cool! Super, ça faisait longtemps. Aïe! Et d'où tu viens, toi? Ah, il nous a fait un petit coucou, enfin, hibou, là. Un peu de répit. Ah, je suis tellement content d'avoir pris cette classe. Quoi? Oula, qu'est-ce que c'est? Mais non! Viens là, mon toutou! J'aime pas ça. Mais c'est un truc de ouf! J'ai cru que j'avais pu me barrer, mais non! Oh non, puis on reprend là, fais chier. On va devoir tous se retaper, fais chier, mais quelle nouille. Ah, je suis désolé. Hein. Là, je vais tracer la route. Allez, c'est bien. Ah, la vache. Vas-y, ma petite Marcusette. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va pas se faire avoir 40 fois. Ah, non, d'accord. Non, mais... Oh, merde. La vie. Je vais y passer. Mais non, t'inquiète. Oh là 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 là, ce calvaire. On peut pas trouver une pierre magique là, pas très loin de là où on est mort? Parce que si on doit se retaper ça à chaque fois, bordel de shit, ça va être chiant. Que j'hésite à utiliser cette attaque là, à savoir l'attaque au corps à corps. Ça fait le café, hein. Ça frappe fort, c'est cool.
Tac. Et là, je vais reculer tout en tirant. Super. Merde. Oh. T'es avec moi ? C'est fini. Mais c'est pas vrai de voir ça ! Bon bah, au boulot. Premier coup, mec. Efficacité des soins. Oh. Ah, ça fait peur, ce connard. Merde. T'en recharges ça. Je l'ai échappé belle. Ouais. Excusez-moi pour le cri, hein. Il m'a surpris, ce con. Il me faut de la vie, il me faut de la vie. Tiens, allez, une petite caresse là. Il y aura un truc qui serait bien, ce serait, tu sais, d'instaurer une espèce de relation avec ce chien. Et plus tu le caresses, et plus t'as d'affinité avec lui, et plus il prendra de risques. Et même, tu pourrais déverrouiller des attaques inédites. Tu vois ça, je pense qu'ils y ont pas pensé. Ou peut-être que si, mais en fait ils se sont dit c'est pas la peine. Mais ouais, moi je l'aurais introduit. Pour débloquer des attaques de chiens hyper stylisées. On peut tout péter, c'est cool. Tiens, faire gaffe. Je l'ai échappé belle. Attends. Ici, ça peut être emprunté, mais d'abord, qu'est-ce qu'il y a par là? Du fer. Et c'est parti. C'est fini. Elle est essoufflée alors qu'elle n'a quasiment rien fait. Petit coup ça. Bonjour. Bonjour. Ah ouais. Bravo! Bravo, bravo! Plume magique. D'accord. Ce jeu va de surprise en surprise. On peut pas s'attendre à ça, en vrai. Ah. Ah, ça sert à ça? Ah, excellent!
Oh, c'est trop bien! Et allez. Et allez, on y va. Pas le temps, faut y aller. Ah, on revient là? Se reposer. Appuyez sur 1 pour afficher la carte de la zone. La carte de la zone vous permet de découvrir les sections inexplorées. Blablabla. D'accord. Vous ne savez pas où aller, cherchez l'icône. D'accord. Ah, faut que j'aille ici. Sauf que pour l'instant, on va se balader. Salon du postulant. Merde. Oui. Elle est tellement en jubilation quand c'est fini. Ça a l'air grand. Là, c'est fermé. C'est fermé, mais ça va peut-être pouvoir se débloquer si j'arrive de l'autre côté. Par là, on va y aller après. On va essayer de ce côté-ci. J'ai vu qu'il y avait un pas copain. On va se le faire de suite. Super, ça faisait longtemps. Boum! Les munitions partent vite, hein. Oh! Enfin, un peu de répit. Et allez. Ah, cette éponge à balle, je te jure. En face. Qu'est-ce que c'est que ça? Tome de connaissances. Chasse en meute. Nouveau bonus. Alors. Hop. On va aller d'entrée. On va mettre boubili babap, vitalité, affinité. C'est quoi affinité? Ah oui, c'est ça. Endurance, vitalité. Ok. Inventaire, yes. Donc on a tout ça. Personnage, ouais, archétype. Donc là, on a ceci. Appuyez sur la touche une fois. Deux fois. Alors attends. Compagnon attaque les ennemis près de la zone ciblée. Appuyez deux fois. Le compagnon retourne aux côtés du maître chien. Maintenir. D'accord. Ouais, mais ça se fait peut-être ouais, quand il y a de la bagarre. Ici. C'est fermé. Et là, c'est fermé aussi. Donc du coup, on n'a pas trop le choix. On va faire demi-tour. Ouais. Merci. On va faire demi-tour. Attends, est-ce que je peux aller à gauche? Je crois que oui. Tout à fait. Ça a l'air vachement labyrinthique. Là, peut-être que je vais dans une zone hein, qui n'est pas encore totalement débloquée parce que je suis trop tôt dans l'aventure. Oh,
rien de fait. T'es hyper efficace, hein. Je suis content de t'avoir à mes côtés, mon toutou. Là, comment ça se passe? Non, je peux pas. Mais c'est un truc de malade. Ah tiens, là. Tout droit. Que dalle. Que dalle, que dalle. Ici, niette. Et là, c'est pareil. Ouais, je pense que ouais, je veux aller un peu trop vite. On va essayer à gauche, mais non, mais c'est fermé à gauche. Ah non. Ils arrivent. Oh, il était temps que ça s'arrête. On reste aux aguets. Et là, on est toujours en mode pif paf pouf. J'avance dans le. Pas dans le vent, mais j'avance au pif. Oh la vache! Ici, on a quoi? Oula! Oh, qu'est-ce que. Merci de ne rien m'expliquer. On avait débloqué la porte ? Oh tiens, un bouquin. On va recommencer. J'ai rien pigé! C'est une espèce. Faut les aligner? Ah ouais, c'est ça. C'est pas vrai ça! Je me tape des malédictions! Ah mais non mais quel con! Mais oui! C'est bon, j'ai pigé. Toi tu vas là. Ensuite... Si je te mets... Là. Maintenant... Toi, je te mets là. Et toi, je te mets là. Bon, je me suis quand même pris une malédiction x2, hein. Qu'est-ce qu'on a là?
Arc de chasse royal. Et du coup, on va regarder vite fait dans les options. Inventaire. Non, personnage. On va aller ici. Ah ouais. Oh, ça a l'air vachement efficace. On va essayer. Je me remets de la vie. Mince, ouais, mais maintenant je suis bloqué. Maintenant je suis bloqué, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut que je déverrouille la porte. Faut que je déverrouille la porte maintenant. La blague. Alors, faut que je fasse gaffe. Toi, là. Toi, faut pas que je te déplace. De toute façon, je peux pas te déplacer. Toi, là. Ensuite, toi, ici. Là. Si toi je te déplace là, en fait si je te bouge toi. Merde, je crois que je l'ai dans le cul. Ah tiens, c'est ouvert non? Yes. Non? Attends, mais c'est ouf! C'est ouf que je dois faire ça! Mais en fait, au lieu de perdre, j'ai juste à quitter. Comme ça, je me prends pas de malédiction. Ah non! J'ai un x3, c'est magnifique. Quel boulet. Ok. Maintenant, si je fais ça et ça. D'accord, maintenant, si je fais ça et ça. Là, je fais ça et ça. Et maintenant, je fais ça. C'est bien ça. Faut gagner deux fois, une fois pour débloquer la porte. Pour récupérer ce qui doit être récupéré et une autre fois pour pouvoir quitter l'endroit. Bon bah, au boulot. Pouh. Mais c'est tellement mieux. Comme ça t'alertes que dalle. Ok. Ici c'est fermé. Il me faut quelque chose pour contrer cette malédiction x3. Attends, si je fais ça et que là maintenant je vais tout droit. Il y avait une porte fermée ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Et tu vois, je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que j'aille au contact de la porte pour avoir cette confirmation que je ne puisse pas l'ouvrir.
Bon là, je pense qu'on va devoir se tailler. Quoique, on va essayer à gauche. Non, c'est fermé. Attends, je vais quand même essayer, mais... Non, tu vois, c'est fermé. Allez, Cassos. Tiens, déjà, je vais faire un truc. Ouais, je vais faire ça. Ça va retirer la malédiction. Ok, c'est super. Consommable. Pif, paf, pouf. Fermé. Maintenant, si je fais ça. Ça va m'emmener où, en fait? Oh! Ça fait déjà tout ça qu'on joue? Ah ouais, non, mais je suis à fond dedans. Après, tu me diras... maintenant, quand c'est comme ça, quand j'ai le temps, quand je peux me le permettre, je ferai de grosses VOD. Comme ça. Bon, la vache. Comme ça, vous aurez vraiment de quoi vous faire plaisir. Wow. Bah non, et maintenant que t'es comme ça... Vas-y, viens. Costaud, toi. Et le pire, c'est qu'on peut pas récupérer les flèches. J'aime pas ça. Il était temps que ça s'arrête. Ouais, faut que je grimpe d'un étage. Les voilà. Oh, comment ça, les voilà? C'est fini. Point de passage. On est d'accord, mais attends. Tiens, non, c'est pas la peine. Là, c'est plutôt comment faire pour arriver là. En fait, non, faut que je grimpe. Mais comment tu veux que je grimpe? Y a un ascenseur dans le coin ou quoi? Là, si je regarde... Ouais, c'est vraiment au-dessus. Ok, c'est parti. Mais arrêtez de taper mon toutou! Tu l'as eu? GG. Oh, attends, il en reste un là. Merde. Super. Ah, moi je suis là et je vois pas comment on peut monter, hein. Là, en vrai, on devrait pouvoir grimper. Ah,
Les voilà. Tu viens, mon toutou ? Point de passage, bah ouais, bah. On n'est pas en combat, là ! Y a un truc qui nous poursuit ou quoi ? Punaise. Où c'est qu'il est, là ? Montre-toi ! Parce que là, je peux rien faire, en fait. Non. On vient de par là. Ah, je crois ? Non, on vient pas de par là. Tiens, ici, avec la plume, est-ce que ça a marché ? Ah, ben ouais. J'avance tellement au pif, mais vraiment, mais tellement au pif. C'est la curiosité par nature, hein. Tu vois un truc, tu dis tiens, je peux y aller. Oui, je peux y aller, bah vas-y, let's go. Ah non, mais c'est mon toutou qui est là. Vas-y. Amélioration des armes, tout à fait. Donc là, ouais, je dois aller par là, en fait. Je veux juste voir ce qu'il y a par ici. Les voilà. Ok, c'est parti. Ouh. C'est fini. Ce changement d'ambiance. Oh la vache! Il m'en fait mal, c'est con. Ok, c'est pas le moment de paniquer. Oh, c'est fini. C'est quoi qu'on a là ? Zone non hostile ? Oh. Ce changement, vraiment. Waouh, doucement. Waouh, putain, mais le cochon, il est... bizarre comme tout. Là, tu vois, pour emprunter les échelles, hein, ça se fait de manière automatique. Ah, bien joué. Putain, je vais descendre. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Vous avez vu, il se roule par terre pour éteindre les flammes. Ouais ! GG ! Attends, c'est en face qu'il y a quelque chose de bleu. Je veux voir qui c'est qu'on peut éventuellement rencontrer. Si on pouvait rencontrer des gens gentils, moi je dirais pas non. Ah, c'est fermé. On va essayer de faire le tour. Un intrus ! La barre
J'aime pas ça. Allez! Merci. Oh, c'est fini. Comment on fait par la loupiote? Attends, comment on fait par la loupiote? Option. J'ai l'impression qu'on peut pas, qu'on est à l'extérieur. Vas-y. Viens mon toutou. Super, ça faisait le temps. Attends-moi, gamine! J'espère que mon toutou va faire le café, parce que moi, là, je l'attends pas. Hein. Point de passage. Vas-y, on va faire ça. Non, je peux pas, je suis au combat. Je sais pas où est partie la petite fille. Allez. Récupère ça. C'est fini. C'est quelle est la petite elfe? Ah tiens, boum. Ouais, comme ça on a déverrouillé, c'est super. Par contre, ça me dit toujours pas où est la petite elfe. Enfin, je dis une elfe, hein, parce qu'elle avait des oreilles pointues. Si j'utilise ça, en fait, ils vont réapparaître. Bon, allez, vas-y. D'accord. Par ici, il n'y a que dalle, mon gars. Ah, il faut peut-être monter. Là, ici. Ah, d'accord. Excellent. Je peux lui reparler. Ok. Bah, c'est bien. On va monter à l'étage pour voir. Non. Oh. Dégâts de points faibles. Mais est-ce que ce sont des choses qui s'ajoutent? Ah non. Peut-être qu'il faut que j'ajoute ça à mon arme. Là, tu vas ici. Et là, ici, tu fais... inspecter. Et là tu peux rajouter ceci. Ah non mais attends, le tir curatif on peut le mettre sur l'autre. Ben oui. Et là? Non, j'ai rien.
Si je mets ça sur toi. Que dalle. Et là. Ok. Bah c'est cool. C'est cool. Bon bah écoutez les amis, moi je pense que je vais m'arrêter là. Je suis quasiment à 2 heures de VOD, hein, faut pas déconner. Mais au moins, clairement, vous en aurez eu pour votre argent, entre guillemets, dans le sens où bah, je vous aurais montré beaucoup de choses. On aura fait le didacticiel. Et on aura bien gambadé, on aura bien exploré en tout cas tout ce qui nous entoure. J'ai pas forcément tracé la route au niveau... de la quête principale, j'ai vraiment fait le curieux, j'ai regardé un petit peu à droite et à gauche et comme ça on a pu récupérer notamment cet arc qui fait bien le café et on a pu voir différents environnements, on a rencontré différents personnages et bah voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment hyper cool à faire. Je pense que je vais continuer le jeu. Alors est-ce que ce sera en vidéo ou en live? Je ne sais pas. Si vous voulez que je le continue ce jeu, eh bien vous me le ferez savoir dans les commentaires. D'ailleurs, je veux savoir ce que vous en avez pensé de ce début d'aventure. Dites-moi votre avis sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qu'on a pu entendre, sur l'univers, sur le gameplay, sur les graphismes, sur les choix que j'ai pu faire au niveau de mon avatar, au niveau de ma classe. Enfin vraiment, je veux avoir votre avis, je compte sur vous pour avoir votre tour. Avant de partir, vous connaissez la chanson, le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mais si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la cloche. Ciao, bye bye.